Rappelle, on rappelle. Non, oui, mais aucun oui, mais honneur. Qui hésitait. Oh, mais quel personnage magnifique! Il est tout bleu! Mais tu as vu? Ah, donc c'est le royaume communiste. Ça a bien changé, Calos. Qu'en pensez-vous, les amis? Bah, disons que c'est plus joli. Virer Holo, cette map de merde. Merci Ecos, y a des gens qui comprennent un peu les roulesets ici. Ils sont biaisés, ils sont biaisés. Non mais. Si c'est Colobastion, ça peut rendre malade des gens aussi. Bah, moi, ok. Quand je regarde sur la map, je suis malade. Si je joue dessus, ça va. Et bah, c'est très très cool d'ajouter cet argument du coup. Du coup, tu vois pas le problème, bien sûr. Moi je trouve que le y a des gros problèmes de d'équilibrage avec cette map, mais c'est bien si la map en plus rend malade, du coup, c'est un autre argument. Ah, moi, c'est un argument pour la ban. Bah si elle donne des problèmes médicaux aux gens, oui je suis d'accord. Surtout qu'on peut se le permettre vu qu'on a d'autres maps dispo. Ouais, genre Kalos. Oh, oui. Non, on peut laisser Kalos aussi. J'aime pas Kalos, mais Kalos c'est nécessaire en vrai. Oui, pour l'équilibrage. Ouais. Je dis pas ça parce que c'est une map qui m'a avantagé. Non mais il faut quelques grandes maps quand même. Nous, ok. Ok, bref. On a Watson Bomber Jesus. Allez, on est parti. Ouais, ils avaient une petite minute qu'ils sont là. On a gratté beaucoup ce Dadidou. C'est relativement even, hein. 30% dans ce match-up, c'est pas grand-chose vraiment. Tout, ce smash par contre, on était peut-être un peu gourmand ici. Bah, gourmand, mais il a pris 10% et c'est pas énorme en vrai, 10% côté Dadidou. Le bénéfice risque était pas si mauvais que ça. Ouais, c'est ça, c'est que c'était assez si bon. Si ça touchait, c'était bon. Le bénéfice risque n'a pas été si grave parce qu'il y a eu un échec de l'ushrap, mais le backer il tue. Oh, c'est dommage, on n'a pas eu cette roll. Ah. Là, contre, d'ailleurs, oh, bien vu. D'ailleurs, ce F-Tit, hein, j'ai vu récemment, je vous suppose, vous l'avez vu aussi, que le meilleur Dadidou Europe ne savait pas qu'il fallait le pivot cancel. Ne savait pas pivot cancel F-Tilt. Tu me parles de qui? De Pelly. Pelly ne savait pas qu'il fallait pivot cancel. Si, c'était une dinguerie ça. On a vu la magnifique position d'Inextric. Ouais. La position qui permet à Dadidou d'être top 1 du jeu en termes de taunt. Et le on a vu Wario qui brille. Oh, attention. Le pec est là très tôt, dans une 5 minutes, non, c'est normal. Oui, mais dans le déroulement de la game. Ah oui, mais c'est une game qui va. Au début de stock, hein. La game, mais il arrive lentement quand même. C'est une game qui va lentement, c'est normal. Mais du coup, ça beaucoup Wario, hein. Voilà, et évidemment. Ouais. Et non, ça ne tuera pas par contre, parce que Dadidou, c'est lourd, le saviez-vous. Mais ça met 50%. Non, plume. Volumineux, parce que c'est le peignoir. C'est vrai qu'il est giga. Ce qui fait d'ailleurs que c'est un autre qui ne devrait pas pouvoir voler normalement, vu son poids. C'est un aigle, donc il est capable de voler. Non, c'est les aigles sont censés être légers. Oui, mais c'est débattable. Non, ce n'est pas débattable. Est-ce qu'on peut manger le gordo? Je sais pas, j'avais essayé tout à l'heure en 2v2, mais j'ai pas pu. Ça m'étonnerait parce que l'évox du gordo est quand même assez grosse. Vu ses angles, vu qu'il arrive toujours vers le haut. Je pense que Wario peut, mais que c'est très compliqué. Bah, je pense qu'il peut théoriquement, mais vu les angles du gordo, pour qu'il arrive pile sur toi. Bah après, concrètement, un Kirby il peut le prendre le Gordo, mais. Je pense que c'est alors plutôt... qu'il est vachement petit. Je pense que c'est Kirby plutôt Wario qui doit aller sur Gordo que Gordo qui doit aller sur Wario. C'est possible. Mais quel reward surtout derrière? Ouais, en fait, je pense qu'un Gordo envoyé directement, genre le Dadidou qui le lance et qui le renvoie en ligne droite, peut-être que le Wario peut le manger. Moi, je pense s'il y a une configuration dans laquelle le Wario peut, c'est celle-là. Mais avec un Gordo en coupe, avec des rebonds comme ça, ça me semble. Oh, très bon cache du saut. Mais ouais, ça. Ça le faire. Ouais, on a vu beaucoup d'options côté Digit, c'était bien vu. Le match est serré, hein. Le match est très très serré. Le match est serré, on a plus de waf, enfin ça ne va pas tarder à revenir, mais on a plus de waf pour le moment. Mais combien de temps à revenir le waf? 2 minutes. Oh, ouais, une minute. Ça dépend de ce que fait le Wario, mais dans l'idée c'est 2 minutes. Tu comptes 2 minutes. Ça, c'est plus ou moins 2 minutes avec. Il l'a utilisé vers 5 minutes et pas loin. Et c'est modifié s'il mange des trucs. S'il mange des trucs aussi, je crois le temps qui passe aussi mort, s'il se fait un Starcow et tout, ça peut jouer un peu. Oui, ça décale du coup, oui. Parce qu'il faut que ça en vie, je crois. C'est amusant, mais oui, ok. Bah, si, il mange, il pète plus vite, c'est normal. C'est logique. Ouais, après manger une moto, c'est. Oh, bah le voilà. Qui... Le midwaft. Mais allez-vous-en, monsieur. Il y a une question. Disons, est-ce que Wario peut manger le gordo? Ah, oui, non, mais c'est bon, on a déjà répondu à cette question. Oui. C'était pas là, bah quand on est pas là, on ne dit rien. Bah, si, il a le droit de poser la question sur la question. Non, il a le droit de poser la question. Oh, ce backer qui permet de on get out of me. Mais le... Et attention. Oh non, c'est. Je rêvais d'un. Oh la moto. C'est dégueulasse avec Julie. Ouais. Je trouve ça un peu dommage d'avoir pris cette moto parce que du coup on a raté la possibilité de se positionner sur le landing. Oui. Mais bon, bah, en fait, ça va. Moi ça me choque pas dans le sens où. Par contre là on a un Wario qui fout le rage. Hein. Là le backer. Ouais, il se met pas débarrassé, il l'a lancé sur Digit. Oui, le backer il tue la foule. Bah oui, il a fait backer. C'est normal. Qui ne fait pas ça? Oui. Évidemment. Bien sûr. Tu fais ça aussi? Non.
parti. Scut, super. Le chat non, qui partage moi, la même bricelle que c'est. Je suis par terre, je fais Gordo. Gordo, même s'il est plus là. Puis après ouais. Gordo. Du ça coup, je mets des coups de marteau. J'ai déjà tapé des gens. Ecos qui est pour Digit, c'est honteux. Ecos, écoute-moi. Je pense que tu pourrais te chier pour un Dadidou parce que c'est un personnage vraiment cool. Mais surtout qu'il y a une personne qui aime bien Dadidou et qui a la possibilité de te ban. Donc genre ce serait. Genre toi. Donc ce serait dommage de On a quand même mis à jour les skins, on se respecte. En vrai, les skins ne changent rien sur l'image. Je suis quand même pas quelqu'un qui banne les gens par ça surprise. Ah, mais je peux le faire pour toi si c'est que ça. Oh, mais du coup, regarde. Non, on fait pas ça. Attends. Non, mais. Merde, je l'ai vraiment fait. Oh, le gigabouffe. Je croyais qu'il allait me demander le temps en fait. Non, tu peux le déban, non. Comment on déban? Annuler le bannissement. Moi, je pense qu'il allait me demander le temps de disponible le temps possible. Pas. Ça va? Pourquoi est-ce qu'on laisse pas Geeks sur le stream? C'est pas nous. Et ça. Ah là là. Micron. Oh, Micron. Ouais, Micron. Oh, allez, on reprend la game, s'il vous plaît. Mais, des abus. Revenons la game, s'il vous plaît. Rappelons que c'est BSK TV qui a banné Cause. Oui, c'est BSK qui a banné. Pas nous, hein, tu vois ça avec ta direction, mon cher Cause. Encore une fois, on a fait un match très serré dans ce set, le même pourcentage. Ah non, et à 5-0-5. À 0-5 près, c'est vrai, ça a changé. Ouais, c'est. Extrêmement cool. On est resté sur PS2 au passage. Ça veut dire que Pum considère que PS2 du coup c'est cool pour lui. Non, il trouve que c'est pas une désavantage. Oui, suffisamment cool. C'était un très beau jeu égal pour le coup. On a gardé un running, malheureusement le don't qui passera. Après, je vous avoue que je sais pas du tout ce que Dadidou devrait prendre contre Wario. Je sais pas ce que Wario. C'est pas évident. Wario, en soi, Wario aime bien une map longue parce qu'il peut faire des combos très longs dessus. Ouah, ce smash il est rentré dedans par contre. Et ouais clairement, bah Wario va chercher des battlefields, des trucs comme ça pour extendre de fou. Mais oui, ça peut pas venir à jamais là-dessus. Oui. Par un battlefield tu veux pas. Ouais. Mais même tu vois, est-ce que tu veux un Kalos contre Wario ou tu vas le tuer tard et du coup il va avoir deux voix dans la game petite, tu au père. La map est petite, tu tues au père. Tu parles haut, ça vaut. Le trap est insane de Dadidou sur Kalos. Le seul défaut qu'il y a c'est qu'une plateforme aide Wario à péter. Oui, et puis surtout, il va mourir tellement tard qu'il va en avoir plusieurs dans la game. Oui, mais après, Dadidou peut venir off stage et puis faire un faire quoi. Et bah, sur Kalos, c'est pas si évident justement parce qu'il y a des wall jump et des choses comme ça. Est-ce qu'on va arriver à un wall jump? Wario, il me semble. Je crois pas, mais peut-être. Non, hein, que je me. Ok. La rush aurait tué, hein. Ouais, c'est. Oh la moto, pardon. Oh la belle moto. Et le double snipe à la moto. Oh là là. On nous met des dingueries. J'ai entendu parler de snipe au Gordo, mais à la moto, c'est la première fois. Wow. Bon, en vrai, si tu veux jouer des Wario, c'est relativement. Pas beaucoup de Wario. C'est dommage, c'est rigolo. C'est dommage, c'est rigolo à regarder, à affronter. Ouais, ça va. Bon, après, quand tu prends un waft à 40%, t'es en mode bon, fait fake, hein, mais. Bah, quand t'es un Dadidou, un landing upper et c'est fini. Allez. Oh, en plus, il a vraiment fait un bon lag, un truc bien lagué. Attention. Est-ce qu'on va pouvoir tuer 160% le. Oh non, on a le pari, on a pas petit derrière, je pense. On peut avoir un waft full rage. Oui, ça c'est beau. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a attendu la hitbox avec le. Ouais, avec c'est bizarre que la moto. Du coup, ça a décalé de quelques frames. Oui, mais la moto, ça. Ouais, c'est pas non. Fini, non, c'est ça va. Fini. Ça a envoyé du mauvais côté, c'est dommage. Steve Standing, Gaïa, comme ça. Ça a raté 1-2-0, mais non, pas encore. Ah, je voyais okay. Bien. Ça monte les points. On enlèche Shrap. Oh non, c'est dommage, on s'est précipité. Le backer qui a failli être là. Le backer. Ça peut finir là. Ça peut se finir ici, cette game 2. Là, c'est vraiment à un backer. Une belle situation. Est-ce que Pum peut se permettre encore d'égaliser? Il peut largement égaliser. On l'a déjà vu. Ça m'amuse. Oui. Donc. Oh, la moto, ça fait pas valer direct. Il faut qu'il la réactive. D'accord. C'est trop gros. C'est pas ce qu'il voulait faire. Parce qu'il peut la renvoyer après. On a entendu le petit non. Il voulait la renvoyer. Ouais, on a refait des walls de backer. Heureusement, c'est pas fait avoir cette fois-ci. Pas comme la game 1. Le crabe qui est pas trouvé. Non. Et le backer. On a une roll. Et encore un backer. 2-0 pour Digit. Comment ça a couché là? Non, mais là, il y a une 3. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait me répondre apparemment. Oui. Oh la moto. Merci Micron d'être avec nous. Il semblerait que nous la direction revient vite. Ouais, Micron revient. Ecos aussi. Tout le monde revenait tous. Mais c'est cool, on a vu plein de gens là. Il y avait Oju, Red, Micron, il y a eu Lexi. Ecos. Elle est passée quand il y a eu un Bowser. Il y a eu Silence, elle est passée. Le Bowser s'est fait rouler dessus, elle a arrêté. Et peut-être MP quand il y avait un. Ça commence déjà. L'attaque de Wario, attaque Wario. Puis du coup, le Bowser s'est fait fumer, elle a fait. Eh, c'est bon. Ça prend que 36%. Ça prend un peu.
Ouais. Très bon follow-up, hein. Digit qui a une bonne phase d'avantage là. Il est super fort sur son ultra B, Digit. Ouais, il est trop souvent. Vu la modalité de Wario, c'est extrêmement cool d'avoir cette option. C'est super. Je pense que c'est le meilleur command grab du jeu. C'est possible. Dans le kit du perso, en tout cas, avec la mobilité du perso et tout, c'est possible. Parce qu'il peut vraiment l'utiliser. Ce qui compte, c'est avec le personnage en lui-même, c'est très très fort. Concrètement, dans les meilleurs command grab du jeu, vous donneriez quoi? C'est pas le bon round. Ce n'est pas de loser round 5, effectivement, mais tant pis. Merci aux petits Strasbourgeois là. Oh là là. Le side B Didi est très fort aussi. Le side B Didi est très très fort comme command grab aussi. Oui, parce qu'il passe à travers tout. Il passe à travers tout et il peut taper. Voilà, Ekos qui nous promet de revenir dès qu'il a son permis, on t'attend. Et hop smash pendant ce temps, on a attrapé la moto, on s'est fait punir direct, tu ne touches pas cette moto. On n'aime pas Akira ici. Oh, petit reverse snare, c'est dommage, on a rien trouvé derrière mais c'était juste joli. Reverse snare, je pense qu'il aurait pu une face full backer mais ce serait plus compliqué. Je sais pas. L'attaque Wario qui met très ouais, très mal. C'est normal, c'est un Adidou, c'est un Wario en face, c'est tout est bien, tout va bien. Le problème c'est que ça l'amène déjà mid-stock, il est normalement super. Mais oh, et l'air dodge! On a pris l'air dodge là-dessus. Oh, smash qui tabasse le Wario. Et là, bon alors, on va pas dire que c'est compliqué pour Digit, il y a encore beaucoup de ressources, mais on est pour la première fois derrière dans ce set. Et ça change beaucoup de choses. Ça met très très bien Pomme. Qui a fait le dernier refaire sniper moto. Le dernier waft revient quand? Là il en a beaucoup refait. Ouais. Il revient à la game 2. Donc ça fait longtemps. Ah bah oui, ça fait 5 minutes. Non mais c'est pas encore... ok, on est de nouveau even. Ça a mis que 28%, ça gratte quand même, mais dans ce match-up ouais, ça... c'est pas énorme. Ça remet un smash qui met 40%. L'objectivité. Ce mec est en train de utiliser le smash le plus laggy du jeu. Et ça touche, parce que ça surprend. Non. Le prout. Non. Il avait pas les fenêtres pour. Mais là, par contre. De la ligue anti-prout, par contre. Oh, c'est dommage! C'est beau! C'est magnifique! Allez, en parlant. Tout est possible. L'objectivité de la casteuse, oui, c'est moi. On pourrait sur la dernière stock. Oh, le jetamer! Oh là là! On part en game 4 là-dessus! Désolé pour les oreilles. Ça, c'est pas du ledge trap, monsieur. Ça, c'est de l'agression. C'est une agression physique. Il y a R, il y a tout. Il a tout mis. Excuse-moi, j'essaie de lire. J'ai mauvais yeux. Tu sais que tu as un téléphone sinon? Oh, micro on fire, oui micro. Je préfère te gêner. Ça c'est okay. Rigolo. En vrai quand c'est big sur le faire chier c'est drôle. Je comprends. Retourne faire tes donners sur une Wii Fit là. Oh quel amour, merci. Quel amour, ah ouais. Comme ça tout maintenant. Attendez-moi, j'ai piqué l'énergie du. Comme le Pokémon. Ouais, comme le Pokémon. Oh, ça a un switch. Non, pas terrible comme Pokémon. Oh, un Joker, d'accord. On est joueur. C'est intéressant. Ah, on a perdu le. Oh non. Ah. Quelle vie. Ok, l'enfer. Ok, c'est normal, c'est déjà arrivé. On débranche, on rebranche. L'ordinateur n'a pas supporté le changement de perso, c'est ça? En effet. J'ai l'impression, là. Jouez, hein. Mais j'ai pas de personne avec moi. What? Vu que tu l'as fait, tu viens de... C'est bon, ça va, c'est revenu. Désolé, il y a eu un petit bug quand Digit a changé de perso. Démarrer le logiciel. Non, ben reset. Hein. Et allez, et ça reprend! Oui, allô, on est là. Je me permets d'être chiant, hein, mais. Ok. Moi, je trouve que le Joker, il est pas assez rouge. Attends. Ok. Vasto Digito sur le stream, GG à Pum. Bam! Moi. Putain, mais. On dit pas de grand moment. Voilà, c'est bon. Je vais vous laisser là en vrai, je vais aller jouer un petit peu. Pas de soucis, moi je vais me décaler, je vais mettre en côté de madame. Ah, voilà. Ah, là on peut parler, on peut faire de l'ASMR. ASMR. ASMR. Ah là là, Digit. Il dit que c'est parti, là c'est foutu là. Bon, l'objectivité de ce stream restera conséquente. Moi je suis objectif. Oui, dans quel sens? Dans le sens que je suis pour les deux, parce que c'est un match-up qui est très rigolo à voir, c'est de la baston. De la baston, mais en fait, concrètement, tel que je visualise le match-up, ouais. Arsène, a.k.a. Je fuis. Non. Ah, a priori, c'est pas exact. C'est pas Arsène, a.k.a. Daddy aussi, c'est son deuxième nom dans la communauté. Moi, j'appelle Daddy. Ok, d'accord. Big Daddy Arsène. Oh, le backer qui est venu sur off-stage, bah, oui. Qui prend la stock. C'est Arsène, a.k.a. On fuit. Match-up difficile parce que tous les moves un peu laggy de Daddy Doo peuvent être exploités à perfection.
En même temps, oh, à partir du moment où on joue Daddy Doo, un personnage qui joue rapidement en face, c'est vachement plus compliqué. Oui, mais la différence, c'est que Joker a tout ce qu'il faut pour enlever le Gordo, en plus. Oui. Son neutral B et son CB sont des excellents outils pour ça. Ah oui ? Bah, le neutral B, si je me souviens bien, il le renvoie. Ok. Oh, le voilà, personnage de surpied trouvé. Du coup, oui, la contrepartie, c'est que ça meurt vite. Oui, en vrai, oui, c'est un peu en dessous de la moyenne. Ouais. Bah, quand même. Oui, oui. Mais dans, ça meurt vite dans les deux cas, du coup. Ce qui change pour attention, un bon Joker, attention, puis très tôt, et la Daddy Arsène qui va apparaître dans alors, la scène. Quand on joue le Joker, est-ce qu'on a vraiment des moves difficiles? Écoute, si tu veux une réponse claire, nette et précise, je n'en ai pas. Il y en a quelques-uns de match-up un peu difficiles, mais c'est pas non plus difficile comme pourrait être un Yoshi pour un puff ou quelque chose du genre. Et le smash qui est trouvé. Il faut le fuir en fait. Hein. Ouais, il faut le fuir parce que là ça met déjà 40% et il y a plus de saut pour le Daddy Doo. Il y a plus de saut. Bon, maintenant tout est revenu, mais. Ouais, non, ça fait peur. Hein. Qu'il y ait plus personne, on peut revenir. Mais bon. Le joueur n'est pas centré, c'est pas notre faute, c'est pas nous. Ah oui, non, mais moi je le vois depuis tout à l'heure. Moi non, parce que du coup, moi je regarde le milieu des grands donc ça va. Mais quand on le regarde sur le projecteur, c'est terrible. Oh oui, non, faut pas regarder sur le projecteur. Là, Jimmy et moi, on a vu un syncope, hein. Et Naria aussi. Le Joker de Nigito est effrayant. Ah, ouais, non, mais bah, extrêmement. Mais... Oh, au début, j'ai cru qu'on allait avoir un footstool. Et bon, c'est pas pire. Mais j'ai cru qu'il allait pas mourir. Et donc, du coup, victoire pour Nigito. Alors, on enchaîne. J'ai pas le. Hop. On va appeler nos amis. Nos confrères Théo. Joli Joker. Bon, Ekoz, je vais transmettre tes phrases. Ekoz te dit que tu es effrayant et que tu es un monstre. OMG. Il est si fort, dit Micron. Un bisou sur la fesse pour Ekoz. Micron a ajouté wow. Micron, t'as le droit à un bisou sur chacune de tes fesses. GG à ouais. Toi. Et ben, je te laisse. Ah non, il y a du 2v2, je suis toute seule. À l'aide. Oui. Help. Il y a quelqu'un qui va parler. Bon. Du caillou, quoi. Oui, non, mais je sais, il l'a pris comme tel, t'inquiète pas. Oui, je veux bien quelqu'un pour m'aider à meubler accidentellement. Ah, Jimmy, tu viens? J'ai besoin d'aide. Je peux pas parler toute seule ou Gildart ou...